un chasseur. Il est là, il lui faut des encouragements à JB, sinon il sortira pas. Et peut-être qu'enfin on aura un numéro qui correspond au programme. Ah, regardez cette belle corvette. Plus d'encouragement pour JB. N'oubliez pas qu'il joue à la fois le lapin et le chasseur. C'est un numéro d'improvisation de danse contemporaine où il doit se tuer lui-même pour ensuite revivre. C'est fantastique. C'est génial. Bon, plus d'encouragement pour JB s'il vous plaît. Je vais bidouiller la machine. JB, es-tu prêt? Le lapin. Ah, je le vois, il gigote. Bon. Il dit qu'il n'y a pas assez de bruit, JP. Le lapin, le lapin, le lapin, le lapin, le lapin, le lapin. Allez, c'est parti. Donc normalement, c'est la chanson numéro 12. Je ne touche à rien. Vous êtes témoin, j'appuie juste sur 12, ok? C'est parti. Hop! Ce matin, un lapin a tué un chasseur. C'est parti! Qu'est-ce qui se passe encore? Stop! Arrêtez tout! C'est pas ça! Excusez-moi. Chanson 12, JB, es-tu prêt? Le lapin est-il prêt? Le chasseur est-il prêt? C'est parce qu'en fait, il doit se dédoubler dans sa personnalité pour pouvoir jouer à la fois le chasseur et le lapin. Le bras gauche contre le bras droit, tout ça. Allô, allô? Grand moment de solitude pour le présentateur. Alors, je vous avais raconté que dans ce spectacle, il y avait des faux problèmes techniques et des vrais problèmes techniques. Je vous laisse deviner si celui-là est un faux ou un vrai. On ouvre les paris. Il se passe quelque chose sur la piste. Des chapeaux. Ça peut aller avec le chasseur. Chapeau, chasseur, lapin, peut-être. S'il te plaît, machine, fais-moi la bonne chanson. C'est peut-être ce truc-là. Je vais tout arrêter. Voilà. C'est parce qu'elle surchauffe, à mon avis. C'est bon, j'ai réparé la machine, on peut y aller? Oui. Alors, chanson numéro 12, je ne touche à rien, j'appuie.